Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle découverte avec Ragtag Crew. Alors c'est un jeu qui est disponible depuis le 26 juillet 2021 sur Steam en démo gratuite. Le jeu néanmoins est prévu au niveau de sa sortie au premier ou second trimestre 2022. Le jeu est développé et édité par le studio Hardlane. Alors cette démo ne sera disponible qu'en anglais ou en russe, néanmoins le jeu est prévu pour être en français à sa sortie, c'est un jeu solo. Et puis donc on nous le présente comme un jeu de type roguelite, combat au tour par tour, 2D, RPG, aventure et stratégie. Alors on va regarder rapidement ce qui nous est dit sur le jeu. Donc mener un groupe d'aventuriers à travers un désert rempli de dangers mortels à la découverte des trésors d'une civilisation perdue. Tracez votre chemin sur une carte générée aléatoirement, faites des choix difficiles dans les événements textuels et menez le combat dans des batailles épiques au tour par tour. Au niveau des features, donc on va avoir un groupe hétéroclite. Faites votre choix parmi 8 personnages, du moine archer à la dompteuse de monstres du désert. Trouvez votre propre voie. Vaut-il mieux se dépêcher de se mettre à l'abri pour panser ses blessures ou tenter le tout pour le tout et fouiller la station abandonnée ? Des batailles tactiques, utiliser de manière efficace les capacités de vos personnages, des événements textuels, donc on aura des choix difficiles à faire au niveau des textes qui vont modifier les caractéristiques de nos personnages, des aventuriers avec du caractère, chaque coéquipier a sa propre vision du monde, une décision qui ravit l'un peut exaspérer un autre. Améliorer votre groupe avec de nouvelles capacités, on pourra également équiper des artefacts. Et puis on va avoir de la rejouabilité, étant donné qu'on est sur des niveaux générés de manière aléatoire, avec de nouveaux endroits, de nouveaux événements et de nouveaux adversaires. À noter que l'on a une seule chance, vos décisions sont cruciales, la mort du groupe signifiant la défaite. Voilà pour cette présentation, donc j'ai déjà fait le tutoriel, on va partir donc directement sur une nouvelle partie. Je vais skipper... Voilà, donc on aura la possibilité à ce niveau-là soit d'avoir de générer aléatoirement notre équipe qui va être de 3 personnages, soit de les créer nous-mêmes. Je vais vous montrer au niveau de la création. Pour l'instant, eh bien, on a 4 classes de disponibles dans cette démo gratuite. On en aura 8 donc à la sortie. On va avoir également des personnalités à attribuer à chacun de nos personnages. Les personnages vont avoir des compétences que bon, on pourra en gagner de nouvelles par la suite, mais pour l'instant on ne pourra pas les modifier. On va pouvoir également changer les noms des personnages. Les personnages vont avoir des traits, donc toujours quelque chose de positif, et puis un malus, on va dire. Et puis, ils vont avoir également des compétences, donc en athlétique, investigation, persuasion, connaissance, willpower, donc la volonté, voilà, et la furtivité, qui vont nous aider principalement au niveau des choix textuels. Donc, c'est là où ça va jouer pour les pourcentage de chances de réussite. Alors on va choisir donc 3 personnages. Ici j'ai envie de dire on a 2 corps à corps, le sauvage et puis le rogue, et on va avoir 2 classes à distance, le vétéran qui va également être du support, et puis le technomanceur qui va être du support et de la manœuvre. Donc ce que je vais faire déjà sûr, je vais prendre le technomanceur et le vétéran. Alors peut-être qu'on aura trop de support. Plus élimination, élimination et manœuvre. Déjà le sauvage me plaît bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? De l'élimination. De la provocation, donc on aura du taunt. Donc ouais, c'est important de le prendre. Je pense qu'il va faire office de tank au départ. Donc on va d'abord le créer. Alors, Savage, qu'est-ce qu'on a? Donc là, la personnalité que l'on va choisir va modifier en fait les points de compétence. Bon, après, j'aime bien jouer aussi en mode RP. Donc pour moi, le sauvage, ça va être ça, le Daredevil. Là, brave et toujours prêt à aller au combat. Et donc, on va être full athlétique. On va modifier son nom au sauvage. Allez, on va l'appeler Benusco.
Voilà pour notre premier personnage, on a tout choisi, c'est tout bon. Le second, alors là j'ai fort envie de prendre ouais, lui. Après je me tâte. Là qu'est-ce qu'on va avoir ? Descend l'armure de l'ennemi de 2. Du support, donc là on va faire qu'on va mettre un bouclier. Et puis ici, faire des dégâts à l'ennemi. Avec l'attaque basique. Et donc de ce côté-là, élimination. Qui va baisser également l'attaque des ennemis, du support. Et puis l'élimination classique. Et ici le rogue. Ouais, j'ai peur qu'on manque de dégâts si je prends. Si je prends les deux. Qu'est-ce qui est le mieux? Le vétéran, là par contre, c'est vrai que ça me plaît bien au niveau des boucliers. Donc on va prendre. Le technomanceur. Ouais, allez, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors, le technomanceur, smart et arrogant, ça va bien. Ermite. Et puis que là, on aura des points en investigation, connaissance, persuasion. Allez, on va continuer comme ça. Et là, du coup, je vais plutôt prendre le rogue parce que sinon, j'ai peur de manquer de. J'ai peur de pas avoir assez de DPS. Hein, si je prends les deux ici, qui sont quand même plutôt support tous les deux. Ça va pas aller. On va prendre le rogue. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Le loup solitaire. Je pense que ça lui va bien. On va voir quoi? Dans plus de la furtivité. Je pense que c'est de la persuasion qu'on n'aura pas pour l'instant. Bah, allez, c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà notre équipe. Notre groupe d'aventuriers qui va partir à l'aventure. Alors, on va voir les niveaux de difficulté. New to the Desert. Avec des batailles faciles et des événements cruels qui vont peu arriver. Le Scavenger qui est le niveau de difficulté classique qui nous est proposé. Ok, et puis là par contre on aura le Westland Vétéran qui va être très difficile. Donc on va rester en classique, en normal tout du moins. Voilà, donc là on va arriver sur la map en fait sur laquelle on va pouvoir se déplacer et puis comme dans tout Roguelite rencontrer différents combats. On va avoir également pas mal de textes que je vais passer parce que là ça serait vraiment trop long à chaque fois de traduire. Ici on va avoir donc des rations, on pourra faire des feux de camp à certains endroits pour récupérer la vie sur nos personnages. On va avoir de l'or également. Et puis certaines compétences qu'on pourra utiliser par la suite pour, comment dire, pour réanimer les ennemis, par exemple, suivant ce que l'on trouve dans les shops. Donc là, je regarde rapidement, Bayration. Alors ici, on va pouvoir augmenter nos skills. Par contre, ouais, on n'aura pas grand-chose à dépenser, donc je pense que dans un premier temps, on va plutôt passer par ici pour aller à cet endroit qui nous permettra d'acheter des rations, ce qui va être fort important pour se soigner. Alors là, on rencontre un premier groupe d'ennemis, donc je vais passer, hein, parce que on les rencontre et donc on a un choix à faire. Donc soit on les refait une embuscade, donc là on a 70% de chance, puisqu'en furtivité, on va avoir Sarah, le rogue, qui va avoir 3 points. Donc la difficulté va être un peu sous la normale. On va se préparer à se défendre. Alors là, on n'a rien du tout. La difficulté pourtant apparaît en facile. Et sinon, bah, on va les combattre. Alors je voudrais regarder par contre ici. Ah oui, 95% avec Alice. Donc c'est parti. Et donc, bah, on a réussi. Par contre, eh bien, il y a Benusco, donc là le sauvage, lui qui va perdre un en morale parce que lui aurait aimé combattre. Ah bah non, ça a échoué. Ok. Alors, nous voilà sur le champ de bataille. Alors, est-ce que ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être dans un premier temps. Et qu'est-ce qui se passe là? Ah, je suis obligé de prendre ouais, celui-ci en premier. Donc on va faire quoi, un taunt? Ok. Alors voilà, le taunt est fait. Donc qu'est-ce que l'on va faire ici? Baisser l'armure de 2. Toi, qu'est-ce que tu peux faire?
Bonus action. Là, il faut qu'on fasse du dégât. On n'a pas le choix. Bon, allez, on va lui baisser son armure. Toi, tu vas l'attaquer. 4 points de dégâts, c'est pas top. Et allez, toi également ici. Donc on va lui faire normalement 6 de dégâts. 10, on a fait un critique. Ok, donc on l'a sorti. On pourrait peut-être essayer de se débarrasser de ça. Qu'est-ce qu'on aurait ? 1 à 3 points de dégâts. 3 points. Si je prends ça, c'est quoi ? Ouais, ça va être une esquive. Bon, c'est pas utile pour l'instant. Elle est full en vie. Ah bah flûte, je l'ai appliqué. Ok, ça c'est fait, comme on dit. Allez, j'aimerais bien me débarrasser de ce truc-là. Donc là, tu vas nous faire une attaque hein, là-dessus. Et ça va le sortir, ouais. Ok, donc lui a 13 points de vie. Alors, ici, 4 points. 3 à 5. On a raté. Toi, tu vas peut-être plutôt mettre un bouclier ici. Et tu vas me le taunt à nouveau. Ok, donc là, il nous reste un point de bouclier encore, donc c'est pas mal. Allez, 2 points. Toi, à la limite, tu remets le bouclier. Toi, tu vas taunt. Deux points. Ouais, le rock fait pas énormément de dégâts quand même. Hein. Toi, tu vas faire une attaque. Et toi, tu vas le taunt à nouveau. Crit chance 10%. On va remettre le bouclier. Allez, puis là, comme il n'y a plus qu'un ennemi, on va la jouer safe. Hein, donc je vais le taunt à nouveau. Par contre, le rock fait vraiment peu de dégâts. Hein. 1 à 3. 2. Ok, on s'en est débarrassé. Success level S. Alors, on a une nouvelle compétence disponible pour le rogue. Ça, c'est parfait. Shield to the head, hein, le bouclier sur la tête. Null your shields to deal 3 à 4 damage 6 à 8 6 critiques à un ennemi. D'accord. Ici, élimination. Là, on perd un point de vie pour faire 5 de dégâts d'ici du critique. Pas trop intéressant. Et ici, l'embouche. Counter attack, follow enemy actions. Ouais, ça peut être pas mal. On va prendre ça. Allez. Bon, on a récupéré 4 viandes, 4 rations et 4 gold. Là, ouais, lui est quand même mal en point. Ici, normalement, on rencontre des ennemis. Training camp. Spend your hard earned thing cred. Qui est la monnaie du jeu pour upgrader nos skills. Plus 2 en battle level. Persuasion. Alors, comment ça marche ici ? Improve. Ah, ok, par contre, c'est. Ouais, je pouvais en choisir qu'un, je pense. Nouvelle fonctionnalité disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Manœuvre. Donc là, on réduit les dégâts que peuvent nous faire les ennemis. Ici. Ok. 1 à 2 dégâts, il leur donne life loss 1.
Et ici, élimination, random. Ça, ça me plaît bien. Allez, on va tenter ça. On a une autre compétence disponible. Parce qu'on est niveau 3, je pense. Accuracy 100%. Baisse l'armure de l'ennemi de 2 à 3 jusqu'à la fin du tour. La contre-attaque. Allez, on va prendre ça, contre-attaque. On va pouvoir prendre pas mal de choses, finalement. On a assez de gold. Alors, par contre, ouais, il faudra racheter des rations. Il faut quand même que je fasse attention. Plus 2. Ah non, c'est... Je pense que c'est pas intéressant. Par contre, la persuasion, oui. Allez, on va prendre ça. Et ça, je vais le laisser pour l'instant. Ok. Alors là, qu'est-ce que c'est ? On est en train de se faire racketter. Bon, là, je refuse. Le camp, on pourrait se soigner. Ouais, allez, on va se soigner. Et donc, du coup, Benusco a pris plus 1 de morale. Très bien, donc il est revenu à la normale. Ah oui, ok. On va avoir des petits événements comme ça avec des doubles choix qui vont nous donner des bonus ou des malus, voire les deux. Ok, ouais, perd un de morale. Ok, allez, on se déplace ici. Dans tous les cas, on ne pourra pas revenir en arrière. Hein. On devra toujours avancer tout droit. Ok, on a un gang du leader qui vient nous menacer, des bandits. J'ai perdu 4 vies. Il a ouvert le feu et donc c'est moi qui ai pris en premier. Alors, je vais pouvoir attaquer. D'accord, maintenant on peut choisir donc celui que l'on veut utiliser au départ. On va peut-être... Qu'est-ce que l'on va faire ? Mettre le bouclier. Toi, tu vas taunt celui-là. Et toi, on va essayer de se faire ça en premier. Ok, alors notre tour. On va essayer quoi ? Se faire ça, élimination, 4 à 5, ouais, comme ça on est sûr de se le faire. Ah, flûte, j'ai cliqué sur celui en bas. Et j'ai provoqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, il va falloir sauver le coup. Hop. Ah ouais, là ça va être la manœuvre d'embouche. Bon, allez, on va le tester. Ok, on a rendu le coup. Alors, on va remettre ça. Toi, est-ce que tu pourrais nous faire un bon dégât, là ? Ouais, ça, on va s'en débarrasser. Et alors, maintenant, on va peut-être se faire celui-là, plutôt deal 3 damage. Ouais, on va essayer de se faire celui-là dans un premier temps. Élimination. Ah là là là, elle prend cher. Moins 50 de précision. Oh là 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 là. Toi, tu vas nous mettre un bouclier sur celle-ci. Toi. Non, c'est quoi ça ? Ouais, on va prendre ça, on va esquiver la prochaine attaque. Et alors, toi, il faudrait que tu nous fasses des dégâts, frérot. Oh là 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 là. Normalement, tout le monde est safe, sauf le technomancien, mais c'est lui qui a le plus de... Sauf Alice, mais c'est elle qui a le plus de points de vie. Ok, c'est notre tour. Alors, on va recommencer.
Toi, tu vas prendre le bouclier. Tu vas nous faire une attaque ici. Oh là là, la plus faible possible. Hein. Et toi, donc t'as quoi ? Là, on a toujours le dodge, donc je vais pouvoir faire une attaque. Sneak attack. Allez, 4 points. Alors lui, ouais, par contre, il est super chiant. Hein. J'aurais mieux fait de me faire celui-là en premier. Mais bon, maintenant qu'on a commencé ainsi, je vais continuer. Allez, toi, je te mets ça. Toi, tu vas faire le dodge. Hein. Ou l'embouche. Non, le dodge. Là, j'ai pas le choix. Et donc, ici... On va tester cette compétence. Allez, tu renvoies un point. Oh là là, c'était pas top du tout. Mais on s'en est débarrassé. Donc maintenant, il nous reste celui-là. Allez, ça c'est fait. On va devoir se soigner par contre directement. Ah ben non, attendez, j'ai enlevé 5 points, mais il en avait 10. Ah, j'ai peur de perdre celle-ci, mais je pense pas quand même. On va essayer de faire une attaque avec le technomancien. 2 points, et alors toi, est-ce que tu pourrais le finir quand même, Benusco, là ? 2 points. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, victoire, success level B. On a pris 12 de dégâts. Alors, on va avoir une nouvelle compétence de support pour le technomancien. Donne 2 shields et plus 2 habilités. On déploie un robot avec 7 vies et 2-3 d'attaque damage. Ça m'intéresse bien. Et ici, on peut enlever une action. Ça, c'est intéressant aussi. Et l'ennemi... Bon, on va prendre ça. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, là, je pense qu'il va falloir se soigner à nouveau. Par contre, on n'a plus beaucoup de... On n'a plus beaucoup de nourriture. Hein. On a repris un de morale. On a des ennemis qui nous attaquent. Alors, c'est notre tour. Voilà, lui, j'ai bien envie de déployer ça. Support. Voilà. Est-ce qu'on peut lui faire faire des actions ? Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il va les faire seul, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça donne, ça? Skip a turn. Ah ouais, d'accord. Il va falloir se débarrasser de ça en premier, j'ai l'impression. Hein. Par contre, lui, il pourra faire du taunt. Ouais, alors il vaut mieux essayer de se débarrasser de ça quand même en premier. Allez, on l'a one-shot avec le critique. Et maintenant, on va pouvoir se débarrasser du reste. Ok, on va commencer à mettre tout ça. Est-ce qu'on peut utiliser maintenant? Oui. Ok... Toi, tu vas mettre... Ah, mais par contre, ouais, ok, je peux pas... Si j'utilise le robot, je peux plus utiliser le nécromancien. Ah, c'est pas cool, ça. Allez, 6 de critique, on va le jouer sûr. La manœuvre, non. Alors, on va faire de l'attaque classique. Allez, cette fois on va mettre un bouclier ici. Et toi tu vas nous faire une belle attaque pour essayer de terminer ça. C'est bon.
Et allez, là, on va attaquer de plein fouet. Manœuvre, manœuvre, élimination. Le robot. Oula. Toi, tu vas nous faire un taunt. Est-ce que là, je peux augmenter quelque chose? Non, par contre, je vais pouvoir baisser son armure. Toi, tu vas nous faire une attaque classique. Oh, elle a raté. Le robot. Ah, on peut toujours compter sur les machines. Hein. Alors... de dégâts et on va devrait pouvoir le finir là quand même. Voilà, c'est bon. Allez, une nouvelle compétence. Qu'est-ce que l'on a? Deux shields. Manœuvre, manœuvre, support. Plus deux d'armure jusqu'à la fin du tour. Avec une contre-attaque. On va prendre ça, ça va réduire l'attaque des ennemis. On a gagné 4 gold. Ouais, il nous faudrait bien quand même trouver... C'est quoi, c'est un magasin ici? Non. Ouais, ça va être jusque là, hein, donc on n'est pas encore arrivé. Alors, bilo normal, easy. D'accord, on a récupéré 7 de rations, ça c'est une bonne chose. 1 de morale. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit soin là quand même? Non, on va rester ainsi. Pour le prochain combat au moins. On va pas passer ici, là ça va être trop dangereux. C'est une rencontre intéressante, plus 2 de morale. Ah bah voilà, acheter des rations, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? 10 de chance, 90, allez. Voilà, on a le magasin qui est disponible. Donc on va prendre des rations. Je vais quand même regarder ce qu'il y a à côté. On a 28. Ça, c'est quoi? Équipement slot. Une action bonus au premier tour du combat. C'est intéressant. Plus 2 d'habilité. Plus 1 d'armure. Alors là, on aurait du soin également. Ça peut être bien, hein, mais bon. Je vais d'abord prendre de ça. On va en prendre 8. On va prendre l'armure. On va la mettre ici. Il nous reste quoi? 10 gold. Ouais. Pff. Ouais, je préfère prendre encore un petit peu de ça parce que là, il va falloir qu'on fasse un soin déjà directement. Continuer. Peut-être qu'on va trouver des rations ici, mais bon. Allez, on va le tenter encore comme ça avant de se soigner. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? 10%, 95%. Médicinal. Weird. On va prendre le weird pour voir de quoi il s'agit. Plus 7, ok. Et on a eu plus 1 de morale. Et alors ça c'est quoi? Shelter. Se reposer sans utiliser de ration. Ah bah parfait. Hop, on se repose pour gratuitement. Et plus 1 d'habilité power pour Sarah. Bon, il y a des disputes je pense au sein du groupe. Ouais, ok.
Et ça, c'est quoi? Homme tout particulier dangereux, ennemi. Écoutez, on va s'y rendre. Vu qu'on est, on est prêt, là, on a beaucoup de vie. Attaque, faire exploser les bidons. Ok, donc on les a déjà affaiblis en faisant exploser le baril. Alors, toi, est-ce que tu pourrais pas nous mettre le robot? Ça serait peut-être pas mal dans un premier temps. Voilà. Ça, c'est quoi? D'accord, on n'a plus d'action du coup. Lui, on peut pas l'utiliser au premier tour. Ah ouais, 23 de points de vie. Fight like a boss. Alors moi, je préfère souvent enlever les petits en premier. Skipper turn, if take 4, sort more damage. Ça, ça va être fort embêtant. On a un taunt. Ah ouais, alors lui, ça va nous réduire de 50% notre précision. On va essayer de se faire ça en premier. Oh là là, par contre, il y a un problème, j'ai l'impression, au niveau de la sélection des ennemis sur lesquels on souhaite attaquer. Ou alors c'est moi qui clique mal. Oh là là, on a pris cher là. Ok, donc toi. Alors attendez. Je peux toujours pas l'utiliser. Non, je peux toujours pas l'utiliser. Ça, c'est fort dommage. Allez, toi, on t'élimine. De quoi on va se débarrasser? Peut-être ça dans un premier temps, qui peut nous provoquer. Oh, on a raté. Et donc là, on va plutôt se mettre en... Ouais, en défense. Oh là là, il a one-shot 8 de dégâts, lui. C'est quoi, ça? Flashing powder. Ah ouais, ok. On va te mettre ça. Toi, tu vas nous faire une attaque. Voilà, fait très peu d'attaques, ça, quand même. Hein. Ici. Lui, ils vont faire exploser le baril, à mon avis, non? On lui a rendu 14 de critique. Aïe, aïe, aïe. D'accord. C'est bien ce que je craignais. Ah, puis il en balance un direct. Hein, et c'est un autre. Stun tous les ennemis. Enfin, tous les alliés plutôt. Et fait 1 de dégâts quand détruit. Donc ça, ça n'ira pas. Je vais me mettre ça là-dessus déjà. Voilà. Maintenant, on va peut-être se faire quoi? Celui-là en premier. Quatre points. Ok, d'accord. Il doit lui enlever également des points de vie. Donc il en a enlevé 4. Cette fois, on va peut-être mettre un bouclier ici. Nos deux persos ont un bouclier. Toi, tu pourrais peut-être nous faire un taunt sur lui. Et donc, toi, tu vas nous faire... Bon, t'as pas 50 000 attaques non plus. Ah, il a raté. Je pense qu'il a raté son tir, là. J'ai pas bien vu. Alors, on a toujours 3 et 3. Alors, ça, c'était quoi? Donc là, on va réduire. Ok, ça, ça peut être pas mal. Ça va fonctionner sur toute la ligne, normalement, si j'ai bien compris. Non, ça a fonctionné, parce qu'il y avait marqué sur toute la ligne. Ok. Moins 3, j'aurais préféré le mettre sur l'autre du coup, mais c'est pas grave. Toi, tu vas nous finir celui-là.
Et donc toi, tu vas nous faire un taunt sur le gros. Étant donné que t'as encore un petit peu de bouclier. C'est raté. Hop. Il a 18 encore, ça fait beaucoup. Je pense que là, le technomancien, je vais l'utiliser surtout pour remettre du bouclier. Allez, un critique de 8. Toi, tu vas refaire ton taunt. Pas de soucis. Voilà, on va réattaquer avec notre rogue. Deux points. Allez, une élimination. Ouais. Bon, il lui reste plus que 3 points de vie, donc là on va le finir peut-être même avec le technomancien, je pense. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il peut attaquer comme ça sans arrêt celui-là? Pardon, 1 point de dégâts. Ok, on s'en est sorti, mais c'était assez difficile hein, quand même. Alors, on a gagné une nouvelle compétence pour le rogue. Élimination. 2 à 3 points de dégâts. 4 à 6, 6 critiques avec 5% de chance de critique. Et fait moins d'armure jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est pas super intéressant. Provoque un ennemi et baisse leur attaque. J'aime pas bien provoquer avec un rogue. Quoique après. Ouais, non. C'est pas super. Plus de d'armure jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça c'est intéressant. Plus 4 de nourriture, plus 8 de gold. Et puis, bah, c'est la fin de la démo, puisqu'on est arrivé au bout de la map. Donc, victoire avec les compétences que l'on a débloquées, l'équipement que l'on a acheté, les traits que l'on avait et ceux que l'on a améliorés avec le petit pouce vert. Les statistiques, le nombre de batailles gagnées, l'or ou les increds que l'on a obtenus, les feux utilisés. Ok, alors show detail d'info. Ok, bah c'est des parties en fait qui ont été jouées avec le détail. Voilà du coup pour cette présentation de la démo de Ragtag Crew. C'est un jeu qui a l'air, ma foi, quand même fort intéressant, même si aujourd'hui, tout ce qui est de ce type-là, avec les graphismes en 2D, bah, ça, c'est devenu quand même un petit peu le lot commun. Maintenant, j'ai trouvé que le jeu était quand même agréable, était intéressant, et puis surtout, j'ai hâte de l'avoir en français, ce qui va fortement simplifier les choses, et ce qui va le rendre beaucoup plus immersif également dans la partie texte, et puis les choix textuels que l'on devra faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo de découverte vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Let's Play sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut !